Bonjour! Alors avant que cet épisode commence, je tiens à préciser que je ne cautionne pas la coupe de cheveux que je possède! Merci beaucoup! Et bien salut à toutes et à toutes, c'est Sélection Chrono aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série de Pokémon X Airlock. J'espère que vous allez bien. Dans le dernier épisode, il s'était passé plein de choses. MDR, pas du tout. Il faut que je vous explique un petit peu ce qui se passe. Donc déjà, j'ai un casque parce que j'ai un peu la flemme de prendre mon micro, donc j'espère que l'audio ira. Sinon, écoutez, ce sera dommage puisque, voilà. Ok, en plus il tombe, mais c'est vraiment un casque nul. Bref, c'est un Turtle Beach PX... 11, je sais pas. Et. Mais sans pas. Voilà, dans l'épisode précédent, on avait eu le troisième badge. Vous pouvez le voir à l'écran là. Là, enfin, là, là. Enfin, tu m'as compris, ma petite gueule. L'équipe a pas trop changé, voire pas du tout. En fait, en gros, ce que je vais vous expliquer, c'est que j'avais tourné jusqu'au quatrième badge. Et j'ai éteint. Et enfin, en fait, j'ai vu qu'il y avait pas ma voix qui a été enregistrée. Donc j'ai éteint et ça m'a ramené ici, donc j'ai dû tout refaire à la main. Mais c'est pas grave, donc on va voir Pépé Volefion, tout ça, etc. Ma petite gueule, etc. Toi-même, tu sais. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que les retours ont été corrects. Alors j'ai vu... Alors là, j'ai posté à ce jour jusqu'à l'épisode 8. C'est bien cher comme ça. Épisode 8, voilà, donc ça se passe. Il y a à peu près 100, 100 pouces verts. J'ai le hockey. Alors faut que je vous explique un petit peu ma vie en ce moment. Il fait chaud à Paris, je suis... On s'ennuie, plus il n'y a rien à faire. En plus, le fond vert il est moche. Ah, attendez, on va le remettre bien. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Voilà, ça n'a pas les prix. Bref, je vous aime moi aussi. Alors, on va parler à la biatch. Non, c'est pas elle, pardon. Il fallait voir Cornelia parce qu'on vient de la défoncer. Elle va nous donner un Lucario, un Pokémon plutôt fort. Puisque voilà, on aime bien les Lucario, c'est un Pokémon. Ils sont combien dans cette tour, frère? C'est un HLM ou comment ça se passe? Moi, j'aimerais bien vivre dedans. Hein, si, genre sur le... Vous avez vu, sur le sol, il y a des... Bien d'évolution. Ok. Allez, on va appuyer sur A puisqu'on en a rien à faire, négro. Enfin bref, donc notre team, elle a pas changé. Elle est bien, notre team. On a beaucoup de Pokémon quadrupèdes. Bon, ok, d'accord, ça veut rien dire. Non, enfin voilà, notre team est plutôt cool. Alors j'ai regardé que je ferai évoluer Scorplane si on arrive à le faire évoluer. Au niveau, je pense qu'il évoluera. Je le ferai évoluer quoi, niveau 45, un truc comme ça. Parce que sinon, c'est un peu nul. Donc, Beach enfile le Mégano, puisqu'avant on n'avait pas le Mégano. C'était plutôt nul, puisque le Mégano c'est bien quand même, ça permet de faire méga évoluer les Pokémon. C'est le principe un petit peu de Pokémon X. Voilà, donc Ryo, Ryo mais pas trop, Lucario mais pas trop, voilà, je suis un mec un petit peu drôle. Hop. Donc en gros, on va avoir un Lucario, je crois qu'il... Enfin, c'est considéré comme une nouvelle zone, j'ai pas souvenir, mais je crois que c'est une nouvelle zone. Donc on va voir... Oh, les têtes. Lucario est en mode... Are you fucking kidding me? Donc... Cornelia l'héritière. Donc Lucario, et nous on va envoyer un counter. Lucario. Voilà, donc c'est pas ouf, mais ça se passe. Donc on va tranquillement. De toute façon, on va faire méga évolution, charge d'os, puisque point boost fait moins de dégâts. Même avec adaptabilité, puisque ça fait 80. 80. Et que masse d'os ça fait 90. Je crois, hein. Enfin bref. J'ai mis la barre d'expérience, je sais que beaucoup d'entre vous la voulaient. Mais heureusement, avec le sigle de X, vous la voyez pas très bien. Enfin bref, ça vous donnera un petit peu un aperçu d'où en est les Pokémon avant d'évoluer. Où en sont plutôt les Pokémon avant d'évoluer. Excusez-moi pour mon français qui est aussi fort que Cornelia. Donc voilà, charge d'os. C'est pas dégueu. En fait, j'ai dit de la merde. Hein. Je suis un gros mytho en fait. Bon, alors Cizeoxy, stratège Pokémon, vient de se foirer complètement. Alors j'espère qu'on le dépasse. Ok, normalement, du coup, on le tue. Hein. Easy. Easy. Bon, bref, donc en fait, point boost, c'est plus fort. Je sais pas pourquoi, peut-être que ce charge-là, ça a juste pas... aucune idée. Bref, donc on l'a, tout ça. Voilà, donc Lucario va venir avec nous. Lucas. J'ai l'impression d'être petit. Qu'est-ce qu'on dit un peu, etc. Bon, j'ai enlevé Tinky, de toute façon, c'est un Pokémon... C'est un Pokémon jeton, quoi. On va l'échanger contre un autre Pokémon. Alors, dans la team, il nous faudrait, je sais pas moi, des Pokémon feu, ce serait bien. Alors, j'ai remis Chutifleur à niveau. Equafarel, je les ai remis à niveau, bien sûr, puisque j'ai dû un peu tout refaire. Tout ce qui s'était passé.
On vérifie que ça a bien la tour. Enfin, c'est bien dans la tour, quoi. Lucario. Tour maîtrise. Donc, tout est parfait. Tout est parfait pour l'instant. On va pouvoir l'échanger. Ce sera un Pokémon qui sera niveau 32. Donc, c'est assez intéressant. Parce que généralement, si on arrive à avoir un Pokémon dragon, ce serait bien. Genre, si des gens m'ont donné Mi-Draco, Kricknot, etc. Kricknot, ce serait bien. Ou un autre Drabi, ce serait bien. En gros, puisque ça nous permettrait un petit peu d'avoir des niveaux gratuitement sans avoir à l'entraîner. Voilà. Parce que 32, c'est quand même pas mal. On va pas se le cacher. Du coup, on va continuer tranquillement. Ouais, pour l'instant, la team est bien. Alors, les Pokémon que je me verrais changer, c'est peut-être Grayena, que je trouve pas si fort que ça, en fait. C'est un Pokémon qui a pas des statistiques de ouf. Stinky est bien. Shido, bah, c'est Grayena, donc pas ouf. Et Nick Tamer, qui est le Papinox. Voilà. Et Mentali, je sais pas ce qu'il veut, en vrai, puisqu'on n'a pas trop de Poké. Alors, je vais aller sur le logiciel. Vous savez, j'ai un truc pour regarder à côté. Ok, donc... celui-là. Tac. Ok. Celui-là. C'est bon. Donc, on a qu'un seul Pokémon de zone. On va regarder un petit peu ce que c'est. On va le mettre niveau 32. Donc, je sais pas ce que vous avez donné. De toute façon, on a perdu plein de bons Pokémon. C'est un petit peu dommage. On a perdu Drabi et Salamèche. Surtout qu'on avait la méga évolution pour Salamèche. Ok, ça, tu vois ça, ça c'est le feu ça. Pyrux 2.0. Attendez. Oh là là. Oh c'est trop bien. Oh c'est trop bien. Oh c'est trop bien. Et du coup ce sera un drac au feu. Oh oui. Attendez. Danse Draco, elle est timide aussi. Ah, c'est cool! Du coup, faut que je déplace les boîtes, attendez. Je sais pas pourquoi ça les a mis. The. Hop. Tac. Tac, tac, tac. Et du coup, il était mauvais. Brasier, Dracofit X. Oh, c'est trop bien, on a un vrai Pokémon. Oh, c'est trop bien. Du coup, on peut lui mettre la Dracofit X. Il faut le mettre niveau 32. Voilà, 32 level, c'est pas le meilleur truc du monde à faire. Enfin, pour vous, ça va pas être très intéressant. Du coup, on va le mettre dans la boîte. Ah, oh, ça, c'est cool. Oh, je suis trop content, en vrai. Du coup, je pense qu'on va virer Shido. Désolé, Shido. Là, Shido, derrière son écran, il fait en... Mais non, c'est nul. Donc ça, c'est les Pokémon qui sont nuls. Nous, notre score plan. Vous l'avez. Ah, il est là. Mon mauvais. Mon score plan. Crocodile. Bon. Ok. Ouais, il a juste météore. Enfin, morsure. Il a pas de. Enfin, il a pas psycho, quoi. Il a pas des vraies attaques. Donc voilà. Enfin, ouais, on va continuer. Ça se... Bon, bon épisode. Là, tout le monde est bien. Ça se passe. Ça se passe cool. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Marcel? Ah, il va nous donner surf, ça. Ouais, surf. Je me souviens un petit peu de comment c'est. Ça, c'est bien, puisque se souvenir d'un jeu vidéo, c'est important. Surtout d'un Pokémon, qui est un jeu vraiment très compliqué et pas du tout linéaire. Ah, j'aimais trop cette chanson. Attendez! Cette chanson, je sais pas si vous l'entendez. Mais c'est pas dans dans Pokémon blanc et noir où faut aller se connecter au, tu sais, au truc des rêves. J'ai un vase, je me rappelle pas trop des musiques, mais si... Oh, mais les cheveux, les bons. J'ai un souvenir, donc voilà. Je me rappelle pas trop de choses, mais j'ai un souvenir. Okay. Ça veut rien dire ce que je dis, mais vous m'avez compris, c'est l'essentiel, je pense, j'espère. En tout cas, moi, je vous aime bien. On va prendre Surf à Tricker. Surf, ça reste quand même, pour moi, la meilleure CS du jeu, niveau offensif, puisque c'est toujours mieux que pistolet à eau, vu que ça a 90 de puissance. Je trouve quand même c'est une grosse attaque, Surf. Franchement, c'est une grosse attaque. Moi, je me souviens, sur Pokémon Rouge, Rouge Feu Vert Feuille, tous mes Pokémon avaient Surf, quasiment. Parce que j'avais Staros, Nidoking, et tout, ils avaient tous Surf. Voilà, c'était la petite histoire un peu nulle. Mais voilà, j'espère que vous allez aimer. Hop, ah non.
Merci beaucoup. Allez. Je vais pas affronter de gens, moi. Je suis un mec pacifique. Et voilà. Donc là, on a... Ah oui, il y avait un truc à récupérer. Alors, le ranch. Je suis sur mon chevron. Et ouais, ma petite gueule. C'est dans ta jalousie, moi je suis sur mon Pokémon, y'a quoi. Ok, on va récupérer... je crois que c'est un super bonbon, non? Pierre-éclat. C'est cool. C'est cool si j'ai demandé un Pokémon qui doit évoluer par Pierre-éclat. Bon, on pourra évoluer avec la Pierre-éclat. Allez. Alors, je crois qu'on pouvait... Juste au-dessus. Non, y'a pas... Alors moi je me souviens on pouvait sortir. Voilà. Et du coup les dresseurs nous affrontaient pas. Moi je trouvais ça trop fort. Du coup. Et bim. Alors attends. Ah, mince. On a un truc du jeu, le kit. Parce que peut-être qu'il y avait des nouvelles zones, on pouvait avoir des nouveaux Pokémon, etc. Bitch, j'aimerais qu'on fasse un combat. Rendez-vous devant l'arène, tu seras prête, hein. Le quatrième arène, oui. D'accord. Je comprenais plus, mais deux. Je crois que la prochaine arène, c'est l'arène de type plante. Alors attends. Route 12, c'est une nouvelle zone. Mais je pense que c'est une nouvelle zone. Oui, c'est une nouvelle zone. C'est une nouvelle zone. On va avoir un Pokémon de zone. Ça, c'est cool. D'accord, énorme. Énorme taf de la zone, voilà, merci beaucoup. Plus je regarde mes cheveux, plus je me dis que je suis moche et que vous avez pas aimé cette vidéo parce que je suis moche. C'est triste quand même. Allez. Ok, notre Pokémon de zone. Tentacool, Tentacool. Ok. Ah, il est ici. J'ai tellement la flemme d'attendre dans ce moment. Il se file et vole. 1, 2, 3. Cool. On a notre Pokémon de zone. C'est pas dégueu, quoi. C'est pas le fire, mais c'est pas dégueu. Niveau 31, ça c'est bon ça! C'est bon, c'est bon. Donc, bien sûr, on va l'échanger contre un œuf, vous inquiétez pas, les petits bros. Ah oui! Ah oui, c'est vrai, il évolue. Je crois que quand je l'avais entraîné, il était passé niveau 30. Et du coup, je voulais pas vous gâcher l'évolution, je crois. Hein. Alors, du coup, on va le changer rapidement. Steph. Tif. Du coup j'étais pas habitué, mais ça fait longtemps honnêtement que j'ai pas tourné. D'accord, il est un petit peu obèse notre frère Alligator. Ah oui d'accord. Ok, bon bah tranquille, Tricker qui devient un petit peu le boss de la team. Là, je te décale un peu, parce que j'aime pas comment il est comme ça. Ok, bref. Donc lui je sais pas s'il me donne une canne, mais on va pas prendre de risque. Ah, de toute façon on en a une. Ouais, on a une canne. Bon, si on peut pêcher ici, est-ce qu'on peut pêcher ici? On peut pas, d'accord, ça doit être trop. En même temps, ça peut tenir un bateau. Je comprends, je comprends. Alors, dans la ville. Lui, il me donne un truc, je crois. C'est pas lui qui donne la canne? Allez, s'il te plaît! Ah, cool! Ah, j'ai des petits souvenirs du jeu comme ça, tu vois, genre vraiment un mec très très fort. Pas du tout. Ah, donc faut aller là, faut prendre le tramway. D'accord. Donc là, il y a Psycho mort. Ah, bitch! Toutes mes félicitations, tu as obtenu tout le matériel nécessaire aux méga évolutions. Récapitulons. Une méga gemme pour le Pokémon, un méga anneau pour le dresseur, et bien sûr, un lien très fort entre les deux. Un lien? De quoi parlez-vous? Ce n'est qu'une intuition de ma part, mais je pense qu'un lien dresseur-Pokémon est la clé d'une nouvelle forme d'évolution. J'en conviens que cela n'avance pas beaucoup sur la nature de ce lien. Et cela s'explique, cela n'explique pas non plus qu'on ait vu d'exemple de méga évolution Kakalos. Tant que les mystères de suspense qui demandent des élucidations. J'ai pas mes lunettes. Donc voilà, je voulais essayer de lire, mais j'arrive pas. C'est triste quand même. Je peux pas vous lire le texte, je suis myope. En fait, il faudra que je sois comme ça. Mais bon. On a vol, donc ça fait 2 CS. Alors je crois qu'on peut pas utiliser vol tout de suite. Je sais pas si on peut utiliser vol tout de suite. Je sais pas. Bon, on verra. Je crois pas normalement. Hop, fallait là. Le monorail, voilà, pas le train, pas le. J'ai dit quoi? J'ai dit le tramway. J'ai
J'ai dit le Subway. Tu sais, mais qui a rien compris. Ok, donc on est arrivé, c'est cool. Hop. Du coup, bah, on va échanger nos Pokémon. Ranger boîte. Boîte là. Voilà. Donc du coup le 37. 37. Du coup tac. Tac, ouais, c'est comme ça. Donc le Pokémon 37 qui sera. Elle est pas un Chenipot. On a eu quoi? Le truc qu'on a eu le plus c'est Chenipot et ok. Oh, c'est bien ça. Je vais appeler Exa. Exa 42. J'aime pas comme ça. Exa, est-ce qu'on peut faire le tirer du bas? Bon, Exa tiré 42. C'est un pote à moi qui est sur Minecraft. Il est gentil, gentil. Hein. Du coup, on va regarder un petit peu ce Pokémon. Qui doit être niveau 25. Impudent, c'est pas dégueu. Alors, ils n'ont pas mis tous les egg moves. Il est lâche. Bon, d'accord, super, les bros, ça fait plaisir. Impudence avec Bull Rock, ça a... Non, c'est bien, franchement, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. C'est pas horrible, ça va. Manger le pote. Du coup, c'est carré. Donc là ça va, l'équipe s'agrandit, on a des Pokémon en réserve, c'est très bien. C'est important je trouve. Du coup 26, oh, nique ta mère qui est vraiment pas ouf. Hein. Enfin qui va peut-être bien nous aider pour l'arène. Vu que c'est des types insectes, mais clairement le meilleur Pokémon ça va être... Même Grayna qui va être bien. Mais voilà, clairement Dracaufeu va un petit peu rouler sur tout le monde. C'est plutôt cool. Non c'est bien, c'est bien. De toute façon on va pas faire l'arène tout de suite, enfin on n'est pas obligé de faire l'arène tout de suite, il y a un combat à faire. Est-ce qu'on fait le combat? Non, je vais plutôt aller par là. Si on peut, je crois qu'on peut. Hein. Ouais, on va aller par là. Voilà, une nouvelle zone. Donc ça, je me souviens, c'était une zone que j'aimais bien quand j'ai joué la première fois, puisque je crois qu'il y avait... je crois qu'il y a Grignot, enfin, il y a plein de Pokémon très corrects. Je crois qu'il y a Grignot, non hein. Très au piqueur. Je crois qu'il y a Grignot, je crois qu'il y a Grignot. En vrai, en vrai. Donc voilà, c'est cool. C'est cool, c'est cool. À niveau 28 quand même. Bon, ça va. On va pouvoir s'entraîner tranquillement sur eux au prochain épisode. Nouveau Kuba. Bon, tranquille. Hein. C'est pas une excellente attaque. Surtout sur Grayena. Peut-être faire une attaque qui est un petit peu plus forte. Genre Crofeu. Piétisol. On prend cher quand même. Hein. Bon, ça reste une attaque stabée, bien sûr. Crofeu, on tue pas. Putain, Shido, il manque trop de puissance. Allez, ça baisse la précision, donc on va miss, hein, forcément. Même pas. Oh, Shido qui veut faire ses preuves. Bref, pas de brûlure, je vais switcher pour assurer le coup. Envoyer Tricker. Ah oui, la piège. Ah, mince. Du coup, il faut le capturer, on va directement envoyer une Super Ball. Pour assurer le coup. Histoire que Shido ne meure pas. Ce serait dommage. Hein. Wouh! Il se passe des choses! Putain, on a dit. En fait, je me souviens qu'on a dit pas d'objet en combat. Donc, je suis obligé. De. Oh, s'il te plaît. Oh non. Oh non! Oh non! Putain. Oh, ça me saoule. Mais ça me saoule, genre. Oh là 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 là. Ça me saoule. Mais genre, il rentre pas. Mais. En plus, contre ce Pokémon, on va avoir un chenipot. Ah non, on a perdu Shido. Mais rentre la putain de ta race! Tourbissable. Ça a pas un. Ça pas un trop gros niveau de capture ce Pokémon. Enfin trop bas niveau de capture plutôt. Ah mais qu'est-ce que je peux faire?
cryopiqueur de l'infini. Petit sol. Mais non! Ça me rend ouf, hein. Eh, c'est très gros piqueur, il peut pas me toucher. Il veut pas rentrer dans la Pokéball, il est content. Bon, Darvenin, ça va. Putain, les dégâts. Mais connard, hein. Désolé pour vos oreilles. Oh là là, mais qu'est-ce qui m'a saoulé. Bon, on a perdu Shido. Il faut que j'enlève du layout. Voilà. Donc je l'ai enlevé. Allez. Et du coup, il y a quoi en fait au bout? Je crois qu'il y a des dresseurs. Oh non, pas Trio Bigger. C'est bon, moi. Crac noir, ça aurait été bien ça. Ça aurait été bien. Oh, il a pas piège. Oh. Tu sais que j'aurais été déçu là. S'il avait eu piège, j'aurais été très déçu. Ok, baisse de précision. Boubon, peut-être ça baisse la précision aussi. Ouais, peut-être, je sais plus. Je sais pas si ça brasse la pression, en tout cas ça brasse la vitesse, je sais pas, j'ai pas vu. Enfin ouais, c'est pas important. Alors on va mettre Tinky en premier, hein, c'est bon. Ok, on va suivre le chemin. D'accord, donc faut pas utiliser ces rollers. D'accord, donc il y aura un délire avec la Team Rocket, enfin la Team Rocket, Team Flair, pardon, excusez-moi. Non, c'est bon. Je joue un autre jeu, moi j'évite tout. Alors, bon, écoutez, on va plutôt échanger notre Pokémon, donc Triopika. On va échanger Triopika contre un Pokémon de nos boîtes. Et ensuite, on va s'arrêter là, les amis. Donc, ça va être un épisode vraiment bien. C'est bien. Franchement, on a eu Salamèche et Scarino, donc des bons Pokémon. Enfin, je trouve personnellement qu'ils sont vraiment très bien. Je les entraînerai bien sûr pendant la petite pause. Donc, Triopiqueur, tu vas aller là. Papinox, Triopiqueur qui est niveau 28. Rigide piège, pas dégueu. Alors, on va changer. J'ai pas envie de faire le random là. On va mettre celui-là. Allez. Lui. Ok, on va mettre lui, et après on va s'arrêter là, donc c'est donc le dernier Pokémon de l'épisode, donc on aurait quand même 3 Pokémon, c'est pas horrible, je trouve ça même plutôt bien pour un épisode. Ce serait bien d'avoir un petit truc sympathique, même si la team je pense qu'elle prend vraiment forme. Ça va. Alors je précise, je sais pas si vous vous rappelez, mais tous ces œufs ont été donnés par des viewers, hein. Donc voilà. Du coup, c'est un Pokémon électrique. En soi, au massacre est bien. Je l'appelle comment? Je vais l'appeler Gauthier Lauteuil. Alors, attends. Est-ce qu'il y a un H? Est-ce qu'il n'y a pas de H? Je sais plus. Alors, je vais pas mettre de H. Quel Gauthier Lauteuil, c'est un youtubeur que j'aime bien. Gauthier. J'ai fait une vidéo Minecraft avec lui. Ouais, Gauthier Lauteuil, tu as ta petite dédicace, ma petite gueule, parce que je t'aime bien. Alors, du coup, faudrait mettre niveau 25. Je sais pas quand est-ce qu'il évolue. Je crois qu'il évolue avec une pierre foudre. Peut-être. J'ai un doute. En tout cas, discret, c'est nul. Donc voilà, écoutez, bah on va se laisser là, c'était aussi, merci pour ce petit épisode. Dans le prochain épisode, on aura un Dracaufeu dans l'équipe à la place de Grayena, donc je vais enlever tout de suite. Désolé, Grayena,
Et il faudra qu'on récupère l'objet qu'on a déjà. Et on va lui mettre maintenant. Comme ça, on pourra même avoir un... Que je viens d'enlever. Comme ça, on pourra avoir une méga évolution dans l'équipe. C'est sympa. Surtout pour un randomizer. Enfin, pour un jeu où on n'est pas censé en avoir un. Donc c'est cool. Donc merci de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Parce que comme ça, c'est nul. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Bye tout le monde.